Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée réalisée soi-même. Et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo challenge. Donc notre but c'est d'inventer un jeu. Donc on a un jeu avec des bonbons. Donc déjà on a fait un petit quadrillage. Donc un petit socle de jeu. Donc on a pris du washi tape, enfin plutôt du scotch arc-en-ciel. Et puis après on a différentes sortes donc de bonbons Center Shock. Alors, donc on les a tous ici, donc on a toujours une autre possibilité avec celui-là. Donc quand c'est le côté avec le dessin, donc on avance de deux cases, et d'une case quand on n'a que le côté violet avec le code barre. Alors, donc on fait 1, 2, donc on prend une pancarte, hein, les pions, donc on se fait des pions, donc je prends ce bonbon, et donc ensuite ça va être autour de l'autre joueur, et le but c'est de rassembler un maximum de bonbons. Et après, bien sûr, il faut vraiment tomber exactement sur la case. Hein. Donc, on va faire un tour comme ceci. Donc, on commence comme on l'a fait, donc. Voilà, donc le but, ce qui est pratique, c'est qu'on a 9 cases, donc 9 bonbons. Et donc on va pouvoir facilement découvrir le gagnant ou le perdant, normalement, hein, oui. Et ensuite, on peut faire aussi, donc faire une règle, comme quoi ben, celui qui a gagné reçoit tous les bonbons. Il reçoit exactement tous les bonbons, donc c'est-à-dire que le perdant n'a plus rien. Donc voilà, différentes possibilité pour marquer le vainqueur. Donc j'espère que ça vous a plu. Et maintenant donc on va piocher donc le thème de la semaine prochaine. Alors c'est parti, on pioche, on remue bien. Et alors on va obtenir... Oh, un cadeau pour garçon. Maximum 5€ de budget. Un cadeau pour garçon. Maximum 5€. Donc c'est pratique hein, parce que c'est vrai qu'on se demande souvent ah là là, je sais pas quoi offrir comme cadeau à mon frère, à mon père, on sait jamais. En plus voilà, quand on a un petit budget, voilà, ça pourra on va y réfléchir donc, et ça pourra donc donner des petites idées, je pense, plutôt intéressantes. Ça peut être du fait à la main, donc ça revient toujours moins cher de toute façon quand c'est fait main, quand c'est fait maison, et ça fait plus plaisir. Et puis après, bon, après, vous pouvez toujours trouver des petites bricoles comme ça pour 5€. C'est faisable. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, comme ça vous aurez regardé notre vidéo pour avoir plus d'idées de bricolage. Et donc voilà, on va travailler sur ce nouveau thème. On se dit à une prochaine, salut !